Quel paysage à couper le souffle, non? Regardez. Bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver et je suis d'autant plus heureux que j'ai le plaisir cette semaine de vous faire découvrir la Tanzanie, bordée par l'océan Indien et grand comme presque deux fois la France métropolitaine. Ce pays offre des paysages parmi les plus beaux, les plus variés et les plus spectaculaires du continent africain. Au programme, eh bien, les lagons turquoises et la diversité culturelle eh bien, de l'archipel de Zanzibar, mais aussi le cratère du Ngorongoro qui est en face de moi, ou encore le mont Kilimandjaro, pour finir par un safari dans la savane du mythique parc national de Serengeti, qui est un sanctuaire réputé pour son exceptionnelle faune sauvage. Voilà comment j'ai imaginé ce fabuleux voyage dans ce paradis de nature, le tout ponctué par de jolies rencontres avec les populations Swahili, Irak ou encore Maasai. Voilà, soyez les bienvenus en Tanzanie, Hakuna Matata comme on dit ici, bienvenue dans mes échappées belles. La Tanzanie vous invite pour un voyage haut en couleur. Il y a 22 ans, je suis allé au Kenya, ensuite en Amérique du Sud. Mais franchement, rien ne soutient la comparaison avec ici. On n'est pas dans la même catégorie. Oui, je pense qu'on va aussi aller voir les gnous parce que c'est la plus grande migration du monde. Il y a presque 2 millions de zèbres et de gnous. On est littéralement cerné là, hein. C'est fou. Un pays fier de son patrimoine naturel. Le Kilimandjaro, c'est quelque chose de très significatif pour le pays. Il symbolise le sommet du continent, le plus haut point d'Afrique. À chaque fois que j'y monte, je me sens léger. Et qui le protège? Le plastique, ça entraîne la pollution de l'environnement, parce que ça ne se décompose pas dans le sol. C'est pour ça que nous avons cessé d'utiliser des sacs plastiques. Nous avons décidé d'utiliser les motos pour faciliter les patrouilles dans la savane. Une expérience unique. La plage et l'eau sont fabuleuses. J'appelle ça les Maldives pour les gens normaux. À partager. Tu vois, aujourd'hui, on a égalité. On découvre tous les deux en même temps, on a les mêmes émotions. Et ça me fait super plaisir. De Zanzibar au Serengeti. Vous avez combien d'élèves, là? 96. Pour la Tanzanie, ce n'est pas tant que ça. Une échappée intense et surprenante. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de manger? Moi, j'ai envie de manger quelque chose de local, zanzibarite. Une pizza de Zanzibar. Quoi? Une pizza de Zanzibar. Bon, t'es prêt, on y va? C'est parti. Allez. Voilà, donc Jérôme, un petit bienvenue à Zanzibar et en Tanzanie, Karibu, comme on dit ici. Hein. D'accord, merci. Donc je te présente mon bureau. On passe la plupart du temps ici. Et comme tu peux le voir, c'est plutôt sympa. Il y a du bleu, il y a du vert. On a senti à Zanzibar des couleurs turquoises, des bleus, des dégradés d'eau cristalline. Et finalement, le vert est très, très, très important. Tout à fait. Jawar, c'est vraiment du vert. Et dès qu'on arrive sur les lagons, c'est du bleu, c'est des turquoises translucides. C'est une véritable orgie de couleurs, je me régale. Ça va faire donc un peu plus de 10 ans maintenant que je vole tous les jours ici. Et il n'y a pas une seule journée où je me suis dit « Ah, ça commence à devenir un peu lassant. Ouais. » Tous les jours, c'est différent. Et puis, bon, c'est des peintures. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, on n'est pas bien, là? Ouais, on est plus que bien. Alors là, l'île de Zanzibar, c'est une île corallienne. Elle fait partie d'un archipel, donc l'archipel de Zanzibar. Il y a combien d'îles, en fait? Il y a deux îles principales. En fait, ce que l'on appelle Zanzibar, c'est Ugunja, l'île principale de Zanzibar, d'accord. Et Pemba, qui est au nord. Pemba, d'accord. Pemba. Okay. En sachant que tout l'archipel de Zanzibar, si je ne dis pas de bêtises, on doit être à plus de 20 îles. D'accord. Certaines sont habitées aussi? Alors, très peu, en fait. Ouais. À l'heure actuelle, je crois qu'il y a seulement donc, trois îles où il y a des petits hôtels vraiment très écolos dessus. Il y a encore une volonté du gouvernement qui souhaite conserver ces îles absolument vierges, pourvu que ça dure. Ouais, tant mieux. On va descendre un petit peu? Ouais, si tu veux. Oh! On pique un peu, là. Ah, là, on fait vraiment du rasbotte, là. En plus, tu vois, on a de la chance, il n'y a pas un pet de vent, là, c'est super smooth. Ouais. Il y a combien d'habitants sur l'île ici principale? On estime, parce que c'est vraiment qu'une estimation, à 1,2-1,5 million. D'accord.
Jérôme, elle est pas belle la vie? Je dirais même il y a zéro problème comme on dit ici. Ah, cool, la batata. Oh, les couleurs de fou. Merci pour ce magnifique partage. C'est avec grand plaisir, Jérôme. Alors, ce que je te propose, Jérôme, c'est qu'on va rentrer sur la vieille ville. Ok. Et j'aimerais bien te présenter ma femme, qui, à mon avis, sera un grand plaisir de te faire visiter Stone Town. D'accord, la ville historique. Donc. La ville historique. Bon, j'ai hâte de voir cette ville, ouais. Ah, tu vas voir, c'est magnifique. Je suis désolé, je marche toujours un peu vite. Ouais. L'un de mes défauts. Je suis toujours impatient de découvrir les choses. J'ai eu quelques petits soucis de santé il y a quelques années. Donc, pour faire une longue, longue histoire courte, en 2006, j'ai eu un cancer au niveau du bas du dos. D'accord. Et donc plusieurs opérations, radiothérapie pendant 3 mois. Ouais. Et il a fallu se remettre un petit peu en route. Hein. D'accord. Ouais. Ok. Donc tu as vaincu la maladie. Ben oui, écoute, comme tu peux le voir, on est toujours debout. Allez, non, en effet. Ah ouais, pendant les 3 mois de radiothérapie, je m'étais fixé l'objectif de réapprendre l'anglais et puis de partir sur une petite île un peu paradisiaque pour justement pratiquer un peu l'anglais. D'accord. Et c'est là que je suis tombé sur... Sur Zanzibar, okay. Sur ma femme qui m'a donné des cours d'anglais. C'est comme ça que toute l'histoire a commencé. Mariage, enfant, c'est génial. Ouais, exactement. Joli au final, destin. C'était un mal pour un bien. Un beau destin, ouais. Merci. Ouais. C'est top. Ah, je me réjouis pour toi. Ok, bah, si tu veux, on va aller prendre un verre sur la terrasse. Il y a un petit coucher de soleil, une vue qui est absolument imprenable. Génial. Et Cham doit nous attendre là-haut. D'accord, super. Jumbo. Abali, chief. Salama. C'est beau, dis donc, la vue ici. C'est magnifique. Sympa. Cham. Jumbo. Enchanté, Cham. Je te présente Jérôme. Un grand sourire. C'est un joli accueil. Comment vas-tu? Bien, super. Enchanté de te connaître. Enchanté aussi. Assieds-toi, je t'en prie. J'ai entendu évidemment parler de toi. Déjà, on a discuté un petit peu. Tu as fait un bon vol? C'était génial. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, c'est beautiful. La beauté de Zanzibar. Oui, c'est vrai. C'est réputé en tout cas, oui, pour être une île colorée, ça c'est sûr. Ouais. En parlant de couleurs. Eh bien, Chine, hein. À votre santé, Sana, alors. Ouais. Santé. Chin-chan. Bon, très heureux d'être là. Très, très content d'être là. Bah écoute, ça fait bien plaisir de t'avoir parmi nous. C'est très, très bon, ce petit mélange de fruits, là. Puis quand on arrive ici, hein, on finit dans un Zanzibar, toujours. Hein. À un moment donné, ça arrive dans le planning. Outre son nom mythique, véritable promesse de voyage, l'atout charme de Zanzibar, ce sont surtout ses plages. C'est simple, l'île est comme entourée d'un écrin blanc bordé de turquoise. Un littoral entièrement public, où tout le monde se croise et se mélange sous les cocotiers. Locaux, touristes, sportifs, commerçants ou encore pêcheurs. Seuls sur le sable ou les pieds dans l'eau, il y en a pour tous les goûts. Chaque matin, avant le réveil des touristes, c'est le même balai. Les employés ratissent le sable pour que la carte postale soit parfaite. Avec mon râteau, je ramasse tous les déchets. Les feuilles, mais aussi le plastique, les morceaux de verre, tout ce qui peut traîner sur la plage. Car le sable fin est une richesse dont on prend grand soin. Chaque année, c'est lui qui attire des centaines de milliers de touristes venus du monde entier. La plage et l'eau sont fabuleuses. J'appelle ça les Maldives pour les gens normaux. Pour un prix qui n'a rien à voir avec les Maldives, vous avez devant vous le même panorama, du sable blanc et une mer limpide. À l'heure où certains se prélassent, les femmes du village de Jambiani débutent leur journée de travail.
Il faut toujours que le couteau soit bien aiguisé. S'il ne tranche plus assez bien, il faut le repasser sur la pierre. C'est son tranchant qui va nous permettre de tailler de belles éponges. Allez les filles, on se bouge, au boulot. Pour des dizaines de milliers de Zanzibaris, le littoral est avant tout une source de revenus. Pêche, récolte d'algues, de coquillages ou d'éponges. Ces curieux animaux sont élevés dans des fermes, invisibles à marée haute, mais qui se dévoilent à marée basse. C'est le moment pour les fermières d'aller s'occuper de leur élevage. Celle-ci, je la taille pour lui donner la forme que je veux, une forme circulaire. Je l'ai taillée ici, ici aussi. En les coupant, j'ai récupéré des petites boutures. Ça, c'est une bouture. Je vais pouvoir la mettre à pousser. Attachée sur un fil en nylon, la bouture va rejoindre les guirlandes d'éponges et reprendre naturellement sa croissance. Une culture particulièrement durable. Dans un an, elle atteindra une quinzaine de centimètres et pourra être récoltée. À condition évidemment de suivre les conseils d'Ali, le spécialiste de cette culture. Vas-y, fais voir. Ces cordes, mesure-les. Il ne faut pas qu'elles soient trop courtes. Garde-les assez longues. Ce qui est important dans la culture des éponges, c'est que ça demande un véritable suivi. Les éponges ne doivent jamais rester sales, sinon des bactéries se développent et elles meurent. Les cultivatrices doivent venir régulièrement les nettoyer. Nettoyer les fils, les entretenir et faire tout ce qui est nécessaire. Une fois à la bonne taille, les éponges sont récoltées, nettoyées, séchées et vendues une vingtaine d'euros pièce aux touristes. Dans une société où la place des femmes est traditionnellement au foyer, cette activité est une petite révolution. J'ai décidé de travailler dans la ferme des éponges car avant je n'avais pas de travail. Grâce à cette activité, j'ai réussi à construire ma maison et je fais vivre ma famille. Les Zanzibaris sont réellement attachés à leur rivage. Les plages font office de terrasses, de jardins, de lieux de rencontre et de terrains de sport. Il y a plus de place qu'ailleurs. Et une chose importante aussi, c'est qu'ici, on peut venir sans payer. On n'a pas beaucoup de salles de gym. On est un pays en développement, pas encore un pays développé. Alors tout le monde vient ici. Sur la plage de la vieille ville de Stone Town, tous les soirs, c'est le même ballet. Mieux vaut arriver tôt pour être sûr d'avoir une place. Jumbo, cham. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Super, et toi? Bien, super. As-tu bien dormi? Ouais, ça fait du bien d'avoir un peu de fraîcheur dans la nuit, là. Il fait tellement chaud ici. Oui, les nuits sont plus fraîches. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir Stone Town. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé des rues en venant jusqu'ici? J'ai pu remarquer, il y a plein de petites ruelles. C'est très vivant, j'aime bien, il y a une architecture très riche ici. Tu vas m'expliquer tout ça? Ok. Ouais. Allons-y, je vais te montrer tout ça. Alors Cham, est-ce que tu peux m'expliquer déjà pourquoi la ville s'appelle Stone Town, la ville de pierre? La ville s'appelle Stone Town parce qu'au départ, toutes les constructions étaient faites en pierre. D'accord, comme là, par exemple. Tout à fait. D'accord. D'ailleurs, c'est des pierres, puis on dirait qu'il y a... Il y a du corail aussi, là. Oui, c'est arrivé qu'ils utilisent également du corail. Ah. Mais maintenant, lorsqu'il faut rénover ces bâtisses, il faut impérativement utiliser des pierres comme autrefois. D'accord. Parce que je crois que la ville a été classée par l'UNESCO. Oui. D'accord, ok. Ah, j'aime bien les échafaudages, pour le coup, là. C'est typique, ça, hein.
Et les terrasses, là, les balcons en bois. C'est très sculpté, c'est très travaillé ici, hein, les façades. Oui, ça a dû nécessiter beaucoup de travail pour réaliser ces ornements. Et c'est quelle influence ça? Alors, c'est indien ou c'est arabe? C'est un mélange arabo-indien. C'est les deux, là. Yeah. Oh, c'est magnifique. Yeah. Et du boulot, là. Hein. Yes. Oui, c'est magnifique. Tiens, regarde les portes, là. On voit combien c'est typique et vraiment symbolique de la ville. Si symbolique qu'on en trouve même des reproductions en miniature. C'est chouette, hein. Ça plaît beaucoup aux touristes. Tiens, voici l'une de ces portes dont on parlait. Incroyable. Regarde comme elle est grande. Les détails sont superbes. Ah, c'est extraordinaire. Son grand gabarit trouve ses origines en Inde, car là-bas, ils construisent des portes massives pour se protéger des intrus, mais aussi des éléphants. D'accord. Éléphants ? Oui, en Inde, pas ici à Zanzibar. D'accord. Sur ces portes, on peut apercevoir des animaux. Sur celle-ci, il y a un lion qui représente le pouvoir qu'avait son propriétaire. Alors, on a une idée de qui pouvaient être ses propriétaires, justement ? La plupart des Indiens de Zanzibar faisaient du commerce. Comme tu peux le voir, le bâtiment est assez grand pour y vivre avec toute sa famille. C'est marrant parce que le reste de la façade est assez sobre. J'aime bien parce que c'est des petites ruelles, il y a plein de vie, il y a les motos, les vélos, tout le monde circule. C'est le style Stone Town. Ouais. La place violette, là, il y a une fête, comment ça se fait? Il y a toutes ces décorations. C'est la couleur d'un parti politique, ici à Zanzibar. D'accord. Ah oui, je veux les affiches. C'est un véritable lieu de rendez-vous. C'est un endroit d'échange où les gens discutent de tout et de rien, mais notamment de politique. Yes. Oui. Bon, c'est amusant comme lieu en tout cas, lieu de rencontre, lieu d'échange comme ça. Alors, j'aime bien parce qu'il y a un petit panneau là où on peut appeler à l'étranger gratuitement. Mais je suis pas sûr que le téléphone soit opérationnel. Hein. Non, c'est juste pour décorer. Ici, c'est un lieu historique important de Zanzibar. À l'origine, cette place forte a été construite par les Portugais, qui régnaient ici du 15e au 17e siècle, pendant environ 200 ans, jusqu'à ce qu'ils se fassent chasser de la ville par les Arabes. Ce sont eux qui ont terminé la construction, et ils sont restés au pouvoir jusqu'en 1963. Ah oui, d'accord. Et quand tu parles des Arabes, tu parles des Omanais ? Oui, tout à fait. D'accord. Zanzibar était pour eux un lieu stratégique. On comprend pourquoi Zanzibar a autant d'influences différentes, portugaises, omanaises, indiennes aussi, avec le commerce, et puis britanniques. Hein? Oui. La langue notamment. Le swahili. Et tu m'as pas dit, Cham, toi, tu es originaire de Zanzibar ? Tout à fait. Je suis née et j'ai toujours vécu ici. Okay. Stone Town est à la fois le cœur et l'âme de Zanzibar. Mm. J'ai toujours apprécié la vie ici. Et aujourd'hui encore, je suis fière d'y être née. Ouais. C'est une très jolie ville. C'est un vrai petit trésor. C'est vrai que Zanzibar, on résume souvent l'île à ses plages. Mais finalement, il y a aussi quelque chose de magnifique quand on se promène dans ces rues. Stone Town est très spécial. Je suis agréablement surpris par cette ville et par sa richesse historique. J'aime beaucoup ça. C'est un lieu chargé d'histoire. C'est magnifique. Beautiful. Comme tu vois, Jérôme, tu vois, on est juste sur le pont. Ah oui, on est au bord de l'eau. C'est avec chouette. Les petites îles d'en face, Pleasant Island. Les petites barques de pêcheurs. Ça fait envie, il y a des bonnes odeurs, les gens sont souriants. Enfin, c'est super agréable. On sent bien ici. Ouais, il y a une bonne énergie, je trouve.
Alecham, c'est une de nos places préférées ici. Ouais. Il y a toujours plein de monde ici le soir. Ouais. Tiens, ça sent bon, ouais. Regarde ce plat de viande et patates douces. Ouais, il y a un mélange de plein de choses. Hein. Ça te donne le sourire, ça. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez de manger? Moi, j'ai envie de manger quelque chose de local, zanzibarite, que je pourrais pas manger ailleurs. Vous avez sans doute réfléchi à ça, j'imagine. Une pizza de Zanzibar. Quoi? Une pizza de Zanzibar. Une pizza? Mais c'est pas zanzibarite, la pizza. Non, mais on a notre propre pizza. C'est revisité, alors? Yes. D'accord. Ok, bah, je vous suis, c'est où? Là-bas. Là-bas? Allez, yes. On va goûter ça. Jumbo. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Donc c'est ça alors les spécialités? Voici le chef Mr. Mango. Mr. Mango? Oui, c'est moi. Ah, bien. Bien. Mr. Mango, el pizzaiolo. Jumbo. Jumbo, buona. Abarigane. Ah, il a son hymne en plus. Bonjour, sana. A santé sana. Merci beaucoup. C'est beau, hein? Waouh. C'est beau, c'est bien chaud. Miami, miami. Pole, pole, very hot. Ah, ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire, c'est très gourmand. Mais attention, c'est chaud. Faut y aller doucement, doucement. D'accord. Je vais goûter, chef. Thank you. Le petit côté mangue sucré derrière, là, ça passe tout seul. Hein. Faut la mettre à la carte, celle-ci. Hein. Ah ouais. Cette petite nouveauté, là. Oh, c'est super bien. That's a Jerome pizza. Keep it on the menu. Wakari bishwa. Mr. Mango, Hakuna Matata. Excellent, bravo, bravo, bravo. Très, très bien. À quelques encablures à peine de Zanzibar, sur le continent, s'étend Dar es Salaam, le havre de paix en Swahili. Même si la ville n'est plus officiellement la capitale du pays, elle continue d'attirer des habitants venus de toute la Tanzanie pour y tenter leur chance. À quelques minutes des buildings du centre-ville, le faubourg populaire de Changwani. Moussa est arrivé ici il y a 2 mois. J'ai décidé de venir ici pour travailler, trouver un business qui me rapporterait de quoi vivre. J'ai besoin de gagner de l'argent pour aider mes parents. Mes parents sont vieux, ils ne peuvent pas me prendre en charge. C'est moi qui m'occupe d'eux. Équipé de sa cafetière, de son brasero et de quelques tasses, il commence sa journée de vendeur ambulant, direction le centre-ville. Dar es Salaam se réveille tout juste et la demande en café est à son maximum. Les amis, si vous avez soif, venez, prenez votre café. Quand je bois le café comme ça, vous voyez, ça éveille mon corps. Quand on boit du café, ça nous amène des minéraux, plein de choses dans le corps. Il y a des clients qui boivent leur café lentement. Tu peux rester une heure à côté d'eux le temps qu'ils finissent, qu'ils te rendent ta tasse et te payent. Des fois, il y en a même qui nous volent nos tasses. Ça nous fait perdre de l'argent. Le salaire mensuel moyen ne dépasse pas les 200 euros. Dans les bons jours, Moussa, lui, peut espérer en gagner 5. Malgré cela, Dar es Salaam continue de faire rêver. C'est l'une des villes où la population augmente le plus au monde. Dar es Salaam est une ville pleine d'opportunités pour tous les genres de boulot. Dans ma région d'origine, à Kigoma, le business, ça ne marche pas aussi bien. Si tu es vendeur de café là-bas, tu n'auras jamais autant de clients qu'ici. Moussa termine toujours sa tournée par le marché de Kariako, le poumon économique de la ville. Les clients y sont nombreux. Et devant les échoppes, le jeune homme touche son rêve du doigt. Moi, par exemple, je voudrais évoluer. Monter ma petite affaire, avoir un magasin comme certains de mes amis originaires de Kigoma, qui ont commencé comme moi, vendeurs de rue, et qui ont fini par ouvrir leur magasin et devenir de vrais commerçants. C'est ça mon rêve. Cette ascension sociale, Mandojo l'a vécue. Il est arrivé de sa province en 2012 et aujourd'hui, c'est une figure du marché de Kariako. Salut, ça va?
Ici, c'est l'avenue du Congo. C'est ici qu'on peut me trouver. Les places sont chères, mais j'ai réussi à acheter ma petite boutique. Je gagne bien ma vie. Plus on se rapproche du cœur du marché, plus les places sont chères. Une échoppe de 8 mètres carrés dans cette galerie se loue plus de 600 euros par mois. À ce prix, mieux vaut rentabiliser l'espace. À vue de nez, je dirais qu'ici, j'ai entre 2500 et 3000 paires de chaussures. Si tu regardes mon magasin, c'est tout petit, mais il est plein. Les chaussures sont entassées et il y a aussi un stock derrière. Et j'ai un autre dépôt, j'en ai beaucoup, beaucoup. Cette offre pléthorique fait le succès de son étal. La petite boutique ne désemplit pas. Cette chaussure est trop belle. En tout cas, avec la combinaison de couleurs que tu portes aujourd'hui, c'est très joli. Vraiment, tu vas plaire. Il s'occupe bien des clientes. Et en plus de ça, il a le meilleur choix de chaussures. Des chaussures à la mode que vous ne pouvez pas trouver ailleurs et qui vous rendent unique. Du bas goût pour les clientes et du bon goût pour la marchandise. En 9 ans de commerce à Dar, Mandojo a pu peaufiner sa recette du succès. Comme je le dis souvent, il y a beaucoup de monde en ville. On doit se battre pour obtenir sa part du gâteau. Le plus important, c'est l'effort. Il faut beaucoup travailler. Deuxièmement, il faut être discipliné avec son argent parce que tu peux gagner beaucoup et aussitôt te mettre à le gaspiller. Et enfin, il faut avoir des contacts, des connexions. Si tu as ces trois ingrédients, alors tu peux percer à Dar. Loin de la foule de Kariako, en périphérie de la capitale, s'étend le quartier huppé de Mbezi Beach et ses maisons bien gardées. Depuis quelques mois, cette villa s'est transformée en showroom. Sa propriétaire, Nandi, a réalisé l'un de ses rêves de jeune fille. Devenir créatrice de mode et vendre ses robes de mariée. C'est l'une de mes robes favorites. Elle est merveilleuse, pleine de détails. Un nouveau métier pour la jeune femme qui est avant tout une star de la chanson. Nandi, c'est la princesse du bongo flavor. Des millions de fans dans le pays et à travers toute l'Afrique de l'Est. C'est quelque chose qui était en moi depuis que j'ai commencé la musique. Dans mes rêves, j'ai toujours voulu devenir une femme d'affaires. Ici, à Nandi Bridal, nous vendons des robes de mariage, des accessoires, des chaussures. Nous faisons le maquillage, la restauration, on s'occupe de la décoration, on loue les véhicules, tout ce qui est en rapport avec le mariage. Sa carrière à son zénith, la jeune femme en profite et capitalise sur son image. Originaire d'une famille modeste du nord du pays, rien ne semble aujourd'hui lui résister. Depuis quelques mois, elle s'improvise aussi comédienne dans l'un des feuilletons les plus populaires du pays. Maman, tu vas rester triste comme ça? Franchement, ma fille, je ne sais pas quoi penser. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais la musique, que j'étais douée pour ça. Mais je chantais surtout à l'église. Je ne pensais pas que je pourrais devenir une grande musicienne ou même une star. Quand je suis entrée à l'université, je croyais que je ferais du marketing. Si le destin de Nandi fait figure d'exception, dans un pays où la moitié de la population a moins de 18 ans, Dar es Salaam reste la ville où tout est possible. Bon, Semboua, tu m'as pas dit combien d'heures de route on avait pour aller dans le parc national des Serengeti. Ça nous reste 4 heures de route. Là, on est très proche de les zones protégées d'Ngorongoro. Ce qu'on appelle la caldeira, c'est un parc national aussi, ça? Oui, on appelle les cratères d'Ngorongoro, mais ce n'est pas le vrai cratère, c'est les caldeiras d'Ngorongoro. D'accord. Là, on est dans la terre Maasai. J'en ai mon village où j'étais né, ça s'appelle Ngaruga, c'est juste à côté d'Ngorongoro. C'est vrai, c'est tu es Maasai, toi? Oui, c'est moi, Maasai d'origine. Ouais. Ah, génial. Moi, quand tu viens dans le village Maasai, dans les terres Maasai, on a un petit cadeau pour dire soyez les bienvenus chez nous. Voilà. Ah oui, génial. C'est un petit cadeau et avec un petit drapeau. Voilà, j'en ai déjà quelques bracelets. Ça me fait très plaisir et j'espère surtout que ça va nous porter chance pour voir un maximum d'animaux. Croisez les doigts. Hakuna Matata.
Là, on arrive dans l'entrée du Ngorongoro pour aller Serengeti. D'accord, on c'est un passage oui. Sur la route. Tous les clients, tout le monde qui vient à Arusha, il faut passer par ici pour aller à Serengeti. D'accord. Il n'y a pas une autre entrée. Ah, il y a même un petit comité d'accueil, là, petite famille. Voilà, là, là, là. Ouf. C'est absolument extraordinaire. Voilà ce qu'on appelle les cratères d'Ngorongoro. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Hein. Oui. En termes de, tu vois, les cratères, les calderas, j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes quand même. Tu vois les différents. Les différents, quand on appelle les cratères, c'est comme Kilimanjaro. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas la vie dedans. Quand on appelle les calderas, c'est ce que ça signifie. Il y a des longs, il y a la nature, les fleurs et faune. Ouais. Et puis il y a des animaux sauvages. Quand tu regardes bien, si j'amène des humains, tu regardes là, il y a des petits troupeaux là-bas, des animaux. C'est vrai. Et là, c'est le lac Magali. Tu vois, c'est toute la vie, elle est là. Et les animaux qui restent dans les cratères, ils ne bougent pas. Ah. Ils ne font pas la migration. Bien sûr. Il y a une espèce de perfection, je trouve, dans ce paysage, qui est assez intéressante. Parce que moi, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Il y a des girafes Maasai. Ah! Qu'est-ce que c'est beau! Oui, ce sont des girafes Maasai. C'est l'espèce qu'on trouve ici, en Tanzanie. En Afrique et ailleurs, il y a 7 espèces de girafes. Mais ici, en Tanzanie, on ne trouve que celle-ci. Vous pouvez voir le petit traverser la route. Bonjour. Enchanté. Bienvenue. Enchanté. Vous avez fait bonne route ? Super, super, une longue route, mais de très beaux paysages et quelques rencontres un peu improvisées. C'était très agréable, oui. Merci en tout cas. Soyez bienvenus au Kyoto Camp. J'espère que vous vous y sentirez comme chez vous. Ah, super spacieux. Voici ta chambre, Jérôme. Il y a un talkie-walkie que tu peux utiliser à tout moment. Si tu as besoin de quoi que ce soit, y compris en pleine nuit, n'hésite pas à l'utiliser. Ça marche. So please welcome. Fais comme chez toi et passe une bonne nuit. Merci beaucoup. Thank you very much. C'est 7h du matin. Chaque jour, 800 élèves passent les portes de l'université de Mweka, un établissement unique en son genre. À 22 ans, David est étudiant en deuxième année. Originaire du sud de la Tanzanie, il a traversé le pays pour intégrer cette école, l'université de gestion de la faune africaine. Comment ça va ? Ce matin, la journée commence par un cours théorique. Un entrepreneur est une personne capable d'exploiter une opportunité. Au cinquième rang, David est attentif. C'est un cours d'entrepreneuriat appliqué à la faune sauvage. On étudie des exemples d'entrepreneurs, comment entreprendre, et on relie ça à la faune. Ça peut être de la conservation de la nature, mais aussi du tourisme. Le pays dispose d'une ressource naturelle en abondance, les animaux. Et pour transformer cette ressource en richesse, la Tanzanie a besoin de former des professionnels du secteur. La faune sauvage est très importante dans notre pays. Cela fait partie des secteurs majeurs.
Plus de 20% de notre territoire est dédié à la protection des ressources naturelles. L'année dernière, plus de 17% de notre produit national brut provenait du tourisme. L'Université de gestion de la faune africaine est une référence sur le continent. Créée juste après l'indépendance en 1963, elle a pour mission de former les personnels des parcs nationaux, les conservateurs, les gardiens, mais aussi les guides de safari. Tout ce qui touche à l'Arche de Noé tanzanienne. La réputation de l'école tient beaucoup à la richesse de ses enseignements pratiques et à ses collections. David poursuit sa matinée en salle de taxidermie. Chaque groupe, vous allez sélectionner 3 spécimens parmi les oiseaux que vous avez sur votre table et vous allez prendre leurs mesures. Ici, les élèves apprennent à collecter des informations scientifiques. Des gestes qu'ils devront reproduire sur le terrain, cette fois avec des oiseaux vivants. J'ai une question à propos de cet oiseau. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au calao à joues grises. Je n'arrive pas à comprendre la différence entre les deux. Alors c'est vrai qu'ils se ressemblent, les deux ont ce casque. La différence, c'est que celui-ci a des taches argentées sur les joues. C'est pourquoi on l'appelle le calao à joues argent. Malheureusement, en Afrique, il y a tellement d'espèces qu'ils ne pourront jamais toutes les connaître. Ils ont besoin de pratiquer et de continuer à enregistrer de nouveaux spécimens, à les identifier, à se les approprier. Parce que quand ils arriveront sur le marché du travail, ils devront s'occuper de plusieurs espèces et ils devront toutes les connaître. Un travail considérable, mais qui n'entame pas l'enthousiasme de David. À Mweka, le jeune interne se sent épanoui. C'est du ragoût de banane plantain avec de la viande et des légumes. Depuis qu'il est ici, le jeune homme n'a jamais douté de sa vocation. Le travail de mes rêves, ce serait de devenir protecteur de l'environnement. Ça date de très longtemps. Quand j'étais enfant, j'étais déjà très intéressé par la faune sauvage. Je regardais les documentaires animaliers, j'adorais ça. C'est depuis cette époque que j'éprouve de l'intérêt pour les animaux et que date ma vocation. Et c'est pour ça que je suis venu ici, à Mweka, pour accomplir mon rêve. L'autre atout de taille de l'école, c'est sa situation géographique. À 15 km de la première ville, pour les travaux pratiques, il suffit de passer l'enceinte du campus. Vous collectez des spécimens de différentes familles et vous en collectez autant que vous pouvez. Les futurs professionnels de la nature ne doivent pas seulement connaître les animaux, ils doivent s'intéresser à l'écosystème dans son ensemble. C'est une plante de la famille des verbenacées, un lantanier. Pourquoi c'est une verbenacée? Parce que sa tige présente 4 angles. C'est ce qui distingue cette famille. C'est très important pour les étudiants d'aller sur le terrain. C'est là qu'ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris en théorie. Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne connaissez pas. C'est pour ça qu'on leur apprend à reconnaître les espèces sur le terrain. Depuis sa création, l'école ne s'efforce pas seulement de former des têtes bien pleines. L'activité physique y est fortement encouragée. Le campus dispose à cet effet d'infrastructures sportives de qualité. Et en matière d'exercice physique, il y en a pour tous les goûts. C'est essentiellement pour rester en forme, parce qu'on va être amené à travailler sur le terrain. Là-bas, il faudra faire attention à beaucoup de choses. Non seulement les bêtes sauvages, les braconniers. On a besoin d'être en forme pour évoluer dans cet environnement. Dans un an, David fera partie des 8500 diplômés que l'école a formés en plus de 50 ans d'existence.
Dans un uniforme flambant neuf, il pourra alors réaliser son rêve d'arpenter la savane et de veiller sur la faune tanzanienne. À Serengeti, il y avait des Maasai dans les parcs. Quand ils marchent dans les parcs, ils voient qu'il n'y a pas les freins. Ça termine jamais. C'est interminable. Et ça veut dire quoi Serengeti en Maasai? Serengeti, ça veut dire la terre interminable. D'accord, l'infini quoi. Infini, tu vois. C'est beau si comme vois, mot. Si tu là, tu n'y arrives pas. D'accord. Ça, donc, c'est Serengeti. Quelle est la superficie de Serengeti? 14 000, 63 km². C'est un vrai dédale en tout cas. On a vite fait de se perdre dans ce parc si on n'est pas accompagné par les professionnels. Hein. Ça, c'est sûr. Regardez, il y a des lions juste ici. La chance. Mais non, c'est une blague. C'est des figurants, tu les as appelés, c'est ça? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent de voir des lions, des lionnes comme ça dans le parc du Serengeti ou ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel? C'est quelque chose d'exceptionnel parce que parfois on cherche beaucoup et tout. Mais parfois, c'est facile de pendant la migration des gnous, parce que la migration, c'est pas très loin. Comme ça, les caniveaux s'approchent aussi. D'accord. Mais c'est quand même difficile de les trouver. Comme les duos avec les kings en famille, comme ça. Parce que là, ils sont comme presque 8 lions. Oui, le mâle dominant, il s'est relevé pour essayer de sentir s'il y avait peut-être des odeurs d'autres animaux. C'est comme un prédateur qui a... Il cherche sa proie, quoi. C'est marrant, cette attitude. Oui, il faut s'approcher dans les petites rivières, parce qu'ici, il y a un accès d'une petite rivière. Et une rivière dans le coin, d'accord. Et comme ça, il faut s'approcher. Quand il s'approche, il y a les proies qui vont... Qui viennent boire. Oui, boire. Avec ça, ils vont attaquer. Bam. C'est trop facile. C'est ça, la vie du lion. À droite. Waouh. C'est juste génial. Regarde les petits là. Et quel spectacle extraordinaire. Extraordinaire. C'est assez unique. Voilà, j'ai avoir autant d'éléphants là qui restent à portée, qui ne fuient pas, qui sont vraiment très proches de nous en plus. Donc on peut profiter pleinement. Ah là, et tout le monde à la flotte, allez! Tu vois, il y a un premier rang là. Il y a un hippopotame là-bas, tout droit là, il y a un hippo. Oh là là, mais viens vers nous là! Il y a danger quand c'est comme ça. Hein. Quand il agit comme ça, il faut être silent. Si tu fais des bruits, il va attaquer la voiture. Extraordinaire. Quel spectacle. Là, les acacias, là, sur certaines parties, là. C'est tellement beau cet arbre. Ouais, ça fait comme la parapluie. Donc comme ça, on forme un petit peu évasé là. Alors, quels sont les mois les plus favorables pour venir visiter Serengeti? Toute l'année, c'est bien pour visiter, sauf les mois d'avril et mai parce qu'il y a beaucoup de pluie. Et d'accord. Tu vois, c'est un peu compliqué. Donc, c'est compliqué pour circuler notamment, ouais. D'accord. Le paysage est en train de changer. Hein. Il n'y a quasiment plus d'arbres, d'acacias. Hein. C'est parsemé et c'est...
Il y a une végétation qui change là. Tu as raison, parce que là on est dans les directions vers le sud. Le sud du parc. Du parc. Okay. Là on va chercher les amigas sur les gnous. Ah, on va voir les gnous, génial. Ouais. Tu crois qu'on va les trouver? Oui, je pense qu'on va réussir à aller voir les gnous parce que c'est la plus grande migration du monde. Il y a presque 2 millions de zèbres et de gnous. Ah, c'est, les zèbres sont aussi avec eux alors? Oui, ils sont toujours avec eux. D'accord, c'est génial. Bah écoute, on croise les doigts, on touche notre grigri. Hein? Toujours, comme d'habitude. Ce sont des hyènes, ça, hein? Oui. Et là-bas, il y a un attroupement. Waouh! C'est incroyable, cette scène de... C'est un zèbre, hein? C'est un zèbre qui est moi. C'est une scène d'une grande violence. C'est... C'est j'ai, du mal, j'ai du mal à regarder ça en sachant que c'est un zèbre. On les appelle les scavengers. Oui, des charognards, des vrais charognards. Exactement. La hyène, de manière générale, quand il voit les oiseaux s'attrouper quelque part et peut-être plonger pour voir une carcasse, ils savent que forcément il y a à manger en dessous. Quoi. Oui. C'est hallucinant ce qu'on est en train de voir là. Ah ben regarde là, au milieu, il y a quelques gnous là, avec les zèbres. Ouais, ça commence. Ça commence. C'est compliqué parce qu'on vient les perturber là. Et on n'a qu'une route, donc on est obligé de passer par là. Ça commence à devenir de plus en plus peuplé par ici, de zèbres. Chez nous, on dit quelqu'un sans culture, c'est comme un zèbre sans rire. Ah. Ok les gars, vous devez rester près de la voiture. Ça marche. Parce que nous sommes entourés d'animaux sauvages au milieu de nulle part. On est littéralement cernés là. Hein. C'est fou. Jusqu'à perte de vue, regarde, il y en a jusque là-bas. On a du mal à se dire qu'il puisse y avoir un rassemblement animalier comme ça aussi important en termes de nombre. Du Maasai Mara jusqu'ici, ils ont parcouru environ 1500 km. C'est un long, un très long parcours. Ils peuvent parcourir jusqu'à 30 km par jour, en courant puis en marchant. Donc on peut dire que c'est une sacrée épopée. Bon, moi j'ai déjà envie de vous remercier, parce que j'ai quand même passé deux jours absolument incroyables. Je ne m'attendais pas à voir autant d'animaux, et surtout là en nombre en tout cas. Et pas ceux qu'on a pu voir. Donc c'est une découverte à la hauteur de ce que j'attendais du Serengeti. Et en votre compagnie, c'était chouette. Voilà, c'était très touchant, très amusant et très intéressant aussi. Allez. En langue Maasai, Serengeti signifie plaine sans fin. Pour les visiteurs, le deuxième parc animalier d'Afrique est un gigantesque théâtre à ciel ouvert. Des milliers d'acteurs y jouent le rôle de leur vie et proposent un spectacle inoubliable. Pourtant, le Serengeti ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans les anges gardiens qui veillent sur lui. Voilà. Mets ça ici, très bien. Ensuite, vous faites descendre la moto. Ça. Depuis deux ans, Godim Menga est à la tête d'une petite unité de patrouilleurs à moto, associant les gardiens du parc à la Société zoologique de Francfort, une ONG de protection de la nature. Nous avons décidé d'utiliser les motos pour faciliter les patrouilles dans la savane. En voiture, il y a certains obstacles qu'on ne peut pas éviter. L'idée, c'est de pouvoir accéder partout, comme les braconniers qu'ils combattent. Alors, ils explorent la savane au ralenti, juchés sur leurs engins. Quand on roule dans le parc, on doit rester debout. Si tu t'assois, tu ne peux pas voir loin. Et en plus, au moindre trou, tu risques de tomber. Dans le Serengeti,
le braconnage ne concerne pas principalement les éléphants ou les rhinocéros. Gabi, il y a ici quelqu'un qui est passé ce matin. Tu vois les traces ? Les braconniers qui s'aventurent ici cherchent avant tout des animaux à tuer pour revendre la viande de brousse à l'extérieur du parc. Gaudi connaît bien leurs habitudes. Les points d'eau sont des zones de piégeage de prédilection. On doit bien chercher. C'est dans des endroits comme ici que les braconniers cachent leurs collets pour attraper des hippopotames. Si tu ne fais pas attention quand tu cherches, tu risques de ne rien voir. Il faut vraiment bien fouiller les herbes au bord de la rivière. Moi, je suis très content de mon travail. Je n'aime pas voir nos animaux attrapés illégalement par les braconniers pour être mangés. Notre travail, c'est de les pourchasser. Si nous relâchons un peu la pression, vu comme les braconniers sont insatiables, le parc du Serengeti n'aura bientôt plus d'animaux. Chaque jour, des dizaines de patrouilles veillent sur les 15 000 km² de la réserve naturelle. Sur un territoire aussi vaste, le nerf de la guerre, ce sont les véhicules. Le garage est un maillon essentiel dans la protection du parc. Loin de tout, les garagistes font des miracles pour entretenir des véhicules soumis à des pistes sans pitié pour la mécanique. Ce véhicule est sur la route depuis plus de 15 ans maintenant. On doit s'assurer qu'il est encore en bon état. Les gars ont tout enlevé à l'intérieur, y compris le tableau de bord. Ils vont commencer par changer les portes et ensuite ils vont tout refaire pour lui donner une seconde vie. Un travail comme ça, c'est beaucoup plus économique que si on mettait ce véhicule à la casse pour en acheter un nouveau. Les défenseurs du parc ont aussi dans leur arsenal une arme secrète, leur Aviat Husky A1C. Ce petit avion léger permet à Ryan Labouchagne d'atteindre rapidement les confins du parc. À 100 km/h en vitesse de croisière et à 50 mètres du sol, rien ne lui échappe. Des éleveurs qui font paître illégalement leurs troupeaux ou un campement suspect. Ces efforts combinés contribuent à la bonne santé du parc. C'est sûr, les chiffres des espèces clés comme les buffles, les girafes, les éléphants sont en hausse. Même les rhinos. Quand on a commencé en 1995, il y en avait moins de 20 dans tout le pays. Aujourd'hui, il y en a au moins 160. Toutes les populations d'animaux sont en hausse. Mais on doit continuer à être vigilant, à les protéger et à garder l'œil sur eux. Malgré 40 ans passés dans tout ce que le continent compte de réserves naturelles, le Sud-Africain est encore subjugué par ce coin de Tanzanie. Travailler ici, voler ici, c'est un très grand privilège. En tant que protecteur de la nature, je me régale littéralement. Tous les jours, vous avez devant vous ces merveilles, et en plus en avion, vous pouvez aller partout. Si les anges gardiens du parc n'ont pas tous des ailes, tous ces hommes affichent une même volonté, celle de faire du Serengeti un sanctuaire pour les animaux. Alors tu te sens comment ça me va? C'est ton premier vol, tu m'as dit. Est-ce que tu as de l'appréhension? Est-ce que tu as de l'impatience? Ça m'inquiète un peu, mais j'espère que ça ira mieux parce que je n'ai jamais volé, moi. Mais tu vas voir, tu vas te laisser porter par les sensations, ça va être génial. Bonjour et bienvenue. Jumbo. Voilà votre ceinture, il faut l'attacher comme ceci. Par contre, pendant le vol, il va falloir qu'on fasse attention. Il faut que tu te serres un peu la ceinture, quoi. Ok. Ça va? Ça va. Et c'est parti. On enlève les ceintures là? Non, surtout pas. Ok. Mmh.
toutes les cimes des acacias avec les ombres. T'as l'impression que c'est des nuages bas. Il y en a partout, partout, partout. Comment tu te sens? Super bien. Ouais. Incroyable. Et ce qui est surtout agréable, je pense que ça doit te changer, c'est que dans le 4x4, on est comme ça pendant toute la journée. Et là, on est dans une découverte complètement douce, complètement aérienne, comme ça. C'est agréable aussi. Hein. C'est trop relaxé, pas de stress, tu es calme et tout. Ça te fait quoi de voir ce sublime paysage d'en haut comme ça? C'était ma rêve, un jour de voir Serengeti par haut, parce que c'est mon préféré. Tu te sens dépaysé? Oui, c'est... Oui. Un peu, c'est marrant. Quand tu conduis, tu vois pas comme ça. Mais ça change. Là, ça me confusait déjà. Maintenant, quand tu me demandes là, c'est où, je comprends des montagnes. Tu sais plus où t'es, tu perds tes repères. Oui, je comprends juste des montagnes. Il y a des montagnes là-bas, il y a là-bas, je les comprends. Mais je suis perdu là. Je pense que ça va t'aider à raconter différemment le parc. Exactement. Ouais, vraiment. Ça change mon vision. Mmh. C'est une expérience que ça va rester toute ma vie. J'en suis ravi. Vraiment ravi parce que tu vois, aujourd'hui, on a égalité. On découvre tous les deux en même temps, on a les mêmes émotions. Et ça me fait super plaisir. Mais là, on dit les guidés. On est guidés aujourd'hui. Tous les hippos, regarde ça. Ouais. Jamais avec les 4x4 de voir comme ça. Ah, jamais. Génial, mais profite. Oh là là. Quelle merveille. C'est extraordinaire. Tout est extraordinaire. Le paysage, la lumière, les animaux, on a tout là. Comme toi, tu as vu des éléphants hier, on disait extraordinaire. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, moi aussi, j'ai dit extraordinaire. Parce que ça m'a choqué. Je n'ai jamais vu si proche. Des hippopotames comme ça? Oui, je n'ai jamais vu ça. Ça change du bush là, dans la savane, on était tranquille, il n'y avait personne, c'était très calme. Oui. Avec les animaux, et là d'un seul coup, on reprend la civilisation en pleine figure comme ça. Ouais. Bienvenue dans la ville d'Arusha. Arusha, le nom Arusha, ça vient dans le tribu Maasai parce que... C'est Maasai? Exactement. Ça veut dire les Maasai dans notre langue. Il y a beaucoup d'habitants ici à Arusha? Presque 2 millions d'habitants. Ah oui? Et 30% c'est les Maasai. Et aussi Arusha, c'est la troisième grande ville du pays. D'accord, ok. Ouais. Voilà, je vais te présenter ma femme, Valentine. Ah, d'accord. Oui, elle va te faire découvrir ce qu'elle fait ici. Valentine, c'est ma femme. Ta petite femme. Ça fait longtemps que vous êtes mariés tous les deux. Mais écoute, ça fait quelques mois, depuis juillet dernier. Ah ouais, d'accord. C'est nouveau. C'est chouette. Ouais. Je te laisse un peu avec Valentine. D'accord. Au revoir, c'était... Merci. C'était impeccable. Ah, tu as passé des moments extraordinaires avec toi. Des moments d'émotion avec les animaux et pas seulement. Hakuna Matata. Bon. On part par où alors, nous? Par ici. Et toi? Moi, par ici. Toi, par ici. Bon, allez. À tout bientôt. Bientôt. Bye bye. Alors, tu m'emmènes où? Dis-moi. Écoute, là, je vais t'emmener au marché des tissus. Parce d'accord. Que
J'ai besoin d'acheter quelques tissus okay. pour le projet sur lequel je travaille, qui vient en aide aux femmes et aux jeunes filles. D'accord. Alors, je crois percevoir un petit accent qui serait peut-être du plat pays. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Je suis belge. D'accord. Venez vite choisir une perruque. Allez, venez choisir votre perruque. C'est ici que vous trouverez les plus belles perruques. Bien comme il est trop chaud ce petit loulou. Il y a de plus en plus de textiles là, on doit se rapprocher je pense. Oui. Lui? Non. Lui? Non, plus haut. Voilà une boutique sympa ici, si tu veux qu'on aille. Ah ouais, ouais, bien sûr. Je te suis. Mambo. Qu'est-ce que tu cherches comme type de tissu, toi? Écoute, du tissu coloré et plutôt des couleurs foncées. D'accord. Il y a les kitenge, qui sont les tissus, comme tu vois là, les très grands, très colorés. Il y a aussi les kanga, qui sont plus petits. Kanga, c'est ce qu'ils portent par exemple, ici. À Zanzibar, non? Oui, ouais, c'est ça, c'est plus petit. Et alors, il y a toujours un message qui est inscrit. Elles le portent autour de la taille, comme ça, on peut lire le message qu'elles veulent faire passer. Ok. Et là, l'idée pour toi, c'est de trouver du tissu pour pouvoir réaliser des choses. C'est les vêtements, qu'est-ce que tu réalises au juste? Tout à fait. On fabrique en fait des serviettes hygiéniques lavables et réutilisables. D'accord. Oui. C'est encore mieux parce que j'imagine que ça va être compliqué de trouver ce genre de protection dans certains villages reculés, non? Oui, ouais. Parfois ça n'existe pas, parfois c'est très cher. Donc économiquement et écologiquement, c'est plus intéressant d'avoir des serviettes lavables. Joli projet. Chapeau, chapeau. Alors, donc, je sais pas, t'as l'embarras du choix, j'ai envie de dire. Eh bien oui, c'est la partie la plus difficile. Hein. Super, c'est magnifique. Hein. J'ai l'impression que c'est à l'infini, ces tissus. Tu peux voir celui-là? Merci. C'est déjà des jolies couleurs aussi. Mmh. Merci. Et puis celui-là? Yes. T'as trouvé ton bonheur alors? Oui, je pense. Super. À santé. À santé. Oui. Donc on arrive à ton atelier là? C'est ça. Salut les filles, Mambo. Jambo. Jambo. Elles sont toutes jeunes. Oui, voilà, Jérôme, je te présente l'équipe. Il y a Nosim, Mina et Agnès. D'accord. Elles sont en train de fabriquer les serviettes hygiéniques. Et comment t'es venue cette idée alors? Écoute, ça a commencé donc il y a 2 ans dans un petit village dans le nord de la Tanzanie, l'Oliondo. Et on avait remarqué que les jeunes filles manquaient l'école quelques jours par mois, en fait, quand elles avaient leurs règles. Parce que c'était difficile pour elles d'avoir accès à des protections hygiéniques. D'accord. Et sans ça, elles ne pouvaient pas aller à l'école. Ok, ok. Donc, il y a du retard qui s'accumule dans la scolarité. Et parfois, elles en viennent à tout à fait abandonner l'école. Et on s'est dit, plutôt que juste leur donner des serviettes, c'était plus intéressant de leur apprendre à le faire elles-mêmes. Bien sûr. Et puis, quand je suis rentrée en Belgique, cette idée m'est restée en tête. Ouais. J'y repensais et ça m'a donné l'envie de revenir et de développer le projet. D'accord. En Tanzanie, de nombreuses initiatives ont vu le jour, notamment en faveur de l'environnement, comme l'interdiction des sacs en plastique. Le plastique, ça entraîne la pollution de l'environnement parce que ça ne se décompose pas dans le sol. Ça ne se désintègre jamais. C'est pour ça que nous avons cessé d'utiliser des sacs plastiques. À la place, on utilise ça, c'est mieux. Au moins, on peut les réutiliser. Des sacs réutilisables, recyclables et surtout consignés. Résultat visuel immédiat, les rues du pays sont plus propres. Pourtant, la gestion des déchets est encore balbutiante. Cela fait maintenant plusieurs années qu'Edgar Tarimo s'intéresse à cette problématique. Il a passé une partie de son adolescence à chercher comment valoriser les déchets plastiques. Aujourd'hui, âgé d'à peine 20 ans, il dirige sa petite entreprise de recyclage. Hey, quoi de neuf? Vous allez bien?
Ouais, ça va. Pas de soucis ? Non, aucun. Alors là, c'est la première étape du processus de production. Quand le plastique arrive, la première chose qu'on doit faire, c'est le trier. Là, ils enlèvent l'étiquette et le bouchon de la bouteille. Comme ça, on pourra recycler séparément les différents types de plastique. Ces bouteilles sont récupérées auprès d'institutions dans le cadre de partenariats ou achetées à des collecteurs indépendants qui gagnent leur vie en récupérant les déchets dans la rue. Une fois trié, ce plastique passe dans une déchiqueteuse qui le transforme en paillettes. Ces copeaux de plastique sont ensuite mélangés à de la sciure et chauffés dans cette machine qui va les fondre. Ne reste plus qu'à mettre un moule à l'extrémité pour donner une deuxième vie aux bouteilles. Ici, on fabrique des poutres en plastique à partir des déchets. Ces poutres en plastique vont remplacer celles en bois. Comme ça, les gens n'ont pas besoin de couper du bois pour construire des bâtiments. Ils peuvent utiliser ces éléments de charpente en plastique. Pour suivre l'évolution de la pâte dans le moule, Edgar a trouvé l'instrument parfait, un simple thermomètre médical. Après un bref temps de refroidissement, la poutre est enfin prête à être sortie de sa gaine. L'entreprise d'Edgar vient de signer un contrat pour renouveler tous les étals d'un marché d'Arusha avec ses structures en plastique. Tiens, soulève. Soulève en bas. Tu vois pas ce côté, il est brillant. Un beau chemin parcouru depuis ses premiers bricolages d'ado. C'est ma première machine à fondre le plastique. Je l'ai faite en 2015. Ça m'a coûté $20 pour faire ce prototype. Au début, j'avais juste l'idée de mettre le plastique là. Et la source de chaleur était ici. J'utilisais du bois, du kérosène. Je l'ai fait tout seul. Je faisais ça après l'école. J'allais à l'atelier, j'ai fait les soudures. C'est moi qui ai tout imaginé. Partout dans le monde, la question environnementale s'impose dans les esprits. La Tanzanie n'échappe pas à la règle. La prise de conscience écologique d'Edgar date de 2015. Cette année-là, des inondations détruisent la maison de sa tante. Elle avait fabriqué sa maison en terre. Les pluies diluviennes ont emporté sa maison. Elle a perdu son domicile. J'ai réfléchi aux différentes manières dont je pourrais aider ma tante. Pendant cet incident, j'avais remarqué beaucoup de déchets plastiques qui flottaient sur l'eau. Et je me suis dit que ce serait de bons matériaux pour construire des maisons solides et pas chères. L'adolescent commence alors par dévorer tout ce qu'il peut sur les propriétés des plastiques à la bibliothèque de son lycée, avant de pousser les portes de Twende, un lieu unique en son genre. Ici, de jeunes entrepreneurs viennent donner vie à leurs inventions et peaufiner leurs prototypes. Salut, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Parce que ta machine, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça fonctionne avec un ventilateur. Ah ouais, celui-ci. Oui, il envoie de l'air et de l'autre côté, les grains de maïs sortent propres. Ah ok. Ce sont les inventeurs qui achètent les matériaux, mais le centre leur met à disposition de nombreux outils et surtout leur prodigue les conseils nécessaires pour en faire des bricoleurs autonomes. Ah, ça fait longtemps, comment ça va ? Bien. Comment elle marche cette machine ? C'est Monsieur Mushi. Il m'a aidé quand je travaillais sur mon premier prototype. C'était très difficile pour moi. C'était ma première expérience de ce genre et je devais me servir de plein d'équipements différents. Comme j'avais 15 ans, il y avait plein de choses que je ne pouvais pas faire tout seul. Il était très impliqué, parfois trop. Il me dérangeait même le week-end. Il m'appelait et il me disait « Venez, s'il vous plaît, venez, je veux travailler. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir le local aujourd'hui ?» 5 ans après avoir bricolé sur ses établis, l'entreprise d'Edgar honore ses premières commandes. À Twende, son histoire est racontée avec fierté. À 20 ans à peine, Edgar est un exemple pour la communauté.
Hey. Jumbo. Bonjour Jérôme, comment vas-tu? I'm fine. Bienvenue dans mon village. Merci beaucoup, merci. Asante Sana. Ça c'est pour toi, c'est un petit supplément. Santé Sana. Tu veux que je prenne ton sac? Oui, je veux bien. Merci. Comment s'est passé ton voyage depuis Arusha? C'était super. J'ai pu traverser toute la campagne, profiter des paysages, voir les gens sur les bords de route. Et j'ai trouvé ça chouette. Qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Ah, j'ai perdu. Oui. Mais pour tout dire, ces paysages magnifiques et ces animaux sauvages m'ont laissé sans voix. C'est pour ça. En tout cas, tu es plus que le bienvenu dans mon village. Merci. Il y a combien d'habitants dans ton petit village? À peu près 7000 habitants. D'accord. La plupart des gens qui vivent ici sont des Irakiens. C'est une ethnie? C'est une toute petite ethnie qui ne vit que dans deux régions. La région d'Arusha et près du lac Manyara. T'as un super vélo, j'adore. Le vert là de la nature, je trouve qu'il tranche avec le sol rouge. C'est superbe. Nous sommes près du lac Manyara. C'est pour ça qu'il y a autant d'arbres ici. Ok. Et c'est aussi un bon sol pour les plantes. D'accord. C'est très fertile, quoi. D'accord. Oui, très fertile. Et d'ailleurs, quand je ne suis pas guide, je suis fermier. Ah oui? J'ai une grande ferme. Je vais t'y emmener. D'accord, on va commencer par la ferme alors. Super. Voilà vos glaces. Vous partagez avec les autres, hein? Jérôme, bienvenue dans ma maison. Merci, très jolie maison. Vous êtes la petite famille qui est là? Hello. Je te présente ma femme. Bonjour, enchantée, bienvenue. Merci beaucoup. Voici mon fils, Sydney. Sydney. Nice to meet you, Sydney. How are you? Okay. Il est beau comme tout. On peut te laisser nos sacs? Ah, ok. On vous laisse les sacs. Ça marche. Merci beaucoup. À plus tard. Qu'est-ce que tu avais de planté ici dans ton champ? Une sorte de haricot. Ah, d'accord. Que les Indiens utilisent pour faire des biscuits dont ils raffolent. D'accord. Donc, dès que la récolte est faite, on leur exporte. Ok. Tu as une exploitation uniquement de plantation ou tu as aussi des animaux? Oui, bien sûr, j'ai des animaux. J'ai des vaches, des moutons et des chèvres. Tu peux les voir un peu partout autour de nous. Ici, presque tout le monde a une ferme. Et la plupart de mes voisins ne vivent que de ça. D'accord. Ils élèvent aussi des vaches et quand elles sont adultes, ils vont les vendre au marché et peuvent gagner leur vie. Ouais. C'est comme ça la vie dans ce village. D'accord. Yes. Voici la maison de ma tante. Non. Oui. Jumbo. Bonjour et bienvenue. À Santa Sana. Vous êtes les bienvenus. On vient vous déranger en plein travail. Vous ne me dérangez pas. Elle prépare la base du makande, qui est une préparation avec du sorgho et des haricots. D'accord, ok. Ma tante le prépare pour cuisiner. Donc qu'est-ce qui caractérise... ces maisons? Elles sont construites à flanc de colline. On recouvre le toit de feuilles et de terre. Ce qui fait que de là-haut, on ne les voit pas. Et quand un ennemi vient, il marche sur le toit. Et quand il arrive au bout, il tombe et on peut l'attraper. Ah, c'est sûr. Je rentre.
un travail qui demande beaucoup de force. Oui. Et quand j'aurai fini, je recommencerai jusqu'à ce que la farine soit toute fine. Qu'est-ce que vous allez cuisiner avec cette farine de maïs, alors ? De l'ougali. Ouais. C'est de la polenta. Ah. C'est pour sa propre consommation, celle de la famille, ou alors elle vend la farine aussi ? Ce n'est pas que pour une famille. Tous les voisins viennent ici pour utiliser cette pierre. Donc c'est aussi une solidarité dans la communauté. C'est d'autant plus beau. Je suis très admiratif de vous voir faire et je suis sûr que votre farine a un goût délicieux. Je vais en faire un peu plus pour vous en offrir. À santé, Sana. Merci beaucoup. Et je vais la déguster en pensant à vous. Mignon aussi. Tu m'emmènes où ? J'ai une surprise pour toi. Ah, surprise. Oh, j'aime bien ça en plus. Jumbo. Bonjour, Monsieur Yen. Alors, ça va, Karibou. Jumbo. Bonjour. Jérôme. John. John. Yes. Alors, qu'est-ce que tu m'as préparé ? Tu m'as fait tailler une robe de soirée ? Ça pourrait, parce qu'il y a des jolies couleurs et des beaux motifs. Ok, ça marche. C'est une chemise. Vous m'avez fait peur. Je vais vous montrer. C'est celle-ci. Ah ouais. Mademoiselle, je suis désolé, mais vous êtes dans une cabine d'essayage pour hommes. Hein. Quand même, ça se fait pas. Ah ben, ça va me changer des chemises blanches. C'est super beau, Mr. John. Félicitations. Merci, Karibu Sana. Et un grand merci à toi pour ce magnifique cadeau. Thank you. C'était un plaisir. Ça me touche que tu aies eu cette attention. Ça me touche. Quand tu seras chez toi, tu penseras à la Tanzanie. Ouais. Il faut que je fasse une soirée tanzanienne à la maison. J'invite des girafes, peut-être quelques facochets, on ne sait pas. Simon est un ancien coureur professionnel. À 49 ans, il a usé ses chaussures sur les chemins de latérite autour de chez lui. J'adore courir sur les sentiers. La nature si paisible autour. Les arbres, les fleurs, les odeurs. Pas de téléphone, rien. Juste moi-même et mes pieds qui foulent le sol. Son jogging quotidien, il le fait sur les pentes d'un des volcans les plus célèbres du monde, le Kilimandjaro, 5891 mètres. Il l'a gravi un nombre incalculable de fois. Il a même détenu le record de l'ascension la plus rapide, moins de 9 heures pour atteindre le sommet et en redescendre. Mais il garde la même fascination pour le géant. Le Kilimandjaro, c'est quelque chose de très significatif pour le pays. Il symbolise le sommet du continent, le plus haut point d'Afrique. Il symbolise aussi le phare de l'Afrique. À chaque fois que j'y monte, je me sens léger. Et à chaque fois que je le vois, là, derrière moi, c'est quelque chose d'incroyable. Avant d'être un sommet enneigé, synonyme d'exploit, le Kilimandjaro, ce sont des contreforts verdoyants, des forêts percées de petites fermes. Simon est né ici, sur les pentes du géant. Après sa carrière de sportif, c'est tout naturellement qu'il s'est dirigé vers le travail de la terre, comme ses ancêtres avant lui. Il y a 5 ans, il a planté ses avocatiers. Hey Kevin. Ça va Simon ? Ils sont bons ? Ils sont bien mûrs. Le sol volcanique est très fertile. C'est une bénédiction de vivre sur ces contreforts. Il n'y a pas que le sol fertile, on a aussi la chance d'avoir beaucoup d'eau qui descend du sommet. Le Kilimandjaro, ce n'est pas juste une montagne, c'est un jardin d'Éden. Quand vous regardez autour de vous, les collines, les rivières, vous trouvez à peu près toutes sortes de végétation. On peut tout faire pousser ici. Le Kilimandjaro, ce n'est pas qu'une montagne à conquérir, c'est un univers à découvrir. La culture commerciale ici, c'est la banane. Il y en a partout. Et là, on a aussi le meilleur café du pays. Sophie est guide dans la région. Aujourd'hui, elle accompagne Trisje sur une portion du chemin de l'amitié,
le sentier qui fait le tour du Kilimandjaro. Cette eau vient du sommet de la montagne. Elle est pure. Les gens ici la boivent. Tout le monde ne peut pas monter en haut du Kilimandjaro. Pour tout un tas de raisons. Ce sentier, c'est une façon idéale d'expérimenter la puissance du Kilimandjaro. Vous croisez les ruisseaux qui descendent tout droit du sommet. Vous êtes entouré de forêts humides qui font partie de l'écosystème du Kilimandjaro. Le sentier traverse ces forêts. Le sentier déroule ses 120 km à flanc de colline. C'est le territoire de l'ethnie Chaga. Cette randonnée, c'est une bonne façon de découvrir leur mode de vie. On va acheter des fruits de la passion. Waouh, ils ont l'air délicieux. Salut, ça va? Combien ça coûte? 10 centimes pièce. Malgré les apparences, Trisje n'est pas en vacances. Elle est ici en prospection. On est très près de la chute d'eau. Sa mission consiste à trouver de nouveaux circuits touristiques et ensuite à les proposer à des agences de voyage soucieuses de diversifier leur catalogue. La vue est belle, hein? C'est la cascade de Materuni. C'est la plus grande chute d'eau que nous ayons en Tanzanie. L'eau est très froide. C'est ce qu'ils font du Kilimandjaro. Pour moi, en tant que Tanzanienne, c'est froid. Mais peut-être que pour toi, ça irait. Je pense que c'est un circuit qui a beaucoup de potentiel. On est au cœur de la nature. C'est lumineux, c'est très propre. À titre personnel, je suis très contente de cette cascade parce que je trouve qu'on ressent vraiment la proximité du Kilimandjaro. J'imagine que ce sont les eaux de la fonte des glaciers qui descendent jusqu'ici. Du coup, je peux le ressentir sans avoir besoin de monter au sommet. Sophie connaît ses montagnes et ses habitants par cœur. Lorsqu'elle passe plusieurs jours sur le circuit avec des touristes, ils dorment chez l'habitant. Pour manger, c'est la même chose. Sophie a ses adresses. Et pas besoin de réserver. Ça va ici? Oui, ça va bien. Maman? Oui, on a faim, on a faim. La table est déjà dressée. Attention à ta tête. Welcome. C'est de la nourriture locale. Ici, il y a toujours de la nourriture prête. C'est la tradition, ça fait partie de notre culture. En Tanzanie, dans beaucoup de tribus, quand on cuisine, on ne cuisine pas juste pour un repas. Et s'il n'y a pas de la famille qui vient ou un inconnu qui s'est perdu, eh bien le reste, ils le mangent le soir. J'ai le sentiment que les gens, ou en tout cas une partie des gens, se détournent du tourisme de masse. Quand ils vont quelque part, ils n'ont plus forcément envie de faire le tour des grosses attractions touristiques au pas de charge. Quand ils visitent un endroit, ils veulent le découvrir, le vivre, le sentir, revenir chez eux avec le sentiment d'avoir vraiment vécu quelque chose. Et si la véritable aventure, c'était ça? Partir à la rencontre d'un géant enneigé et finalement découvrir des paysages et des hommes qui vivent à ses pieds. C'est l'école, ça. Voilà l'école primaire d'Endala. Il y a 800 élèves ici. Wow. Hey, il y a du monde ici. Jambo. Jambo. Bonjour, vous êtes en quelle classe? En CM2. CM2. On souhaite la bienvenue. Jambo. Jambo, karibu.
Je te présente ma mère. Ok. Et c'est la classe de mon fils Sidney. Sidney, il est là. J'ai vu sa bouille. Et vous avez combien d'élèves, là ? 96. Et vous arrivez à canaliser toutes ces énergies, là, de ces enfants ? Pour la Tanzanie, ce n'est pas tant que ça. D'accord. Oui, il y a des classes où ils sont beaucoup plus nombreux. Est-ce que vous voulez que Jérôme vous apprenne une chanson française ? Oh là là ! Il était un petit navire. Qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Ohé, ohé. Très bien. Est-ce que quelqu'un a une question à me poser ? Qui veut poser une question à Jérôme ? Ah ouais, dis donc, vous êtes curieux. Vas-y. Comment tu t'appelles ? Jérôme. Bien. Tu es arrivé quand en Tanzanie ? Ça fait une semaine que je suis en Tanzanie et j'ai adoré ton pays. Est-ce que tu es allé dans des parcs ? Alors j'ai visité le parc du Serengeti. J'ai vu des éléphants, j'ai vu des lions, des girafes, des zèbres, des hyènes. On a eu beaucoup de chance de voir beaucoup d'animaux. Ah, Sidney, viens là, mon grand. Jumbo! C'est la récré. On va jouer. Hop, allez, on va jouer. Allez, hop, hop. Ouah! Ça glisse. Attends, d'où aller ? Le terrain est sans limite. Bravo ! Santé. Bravo ! Ouais. Ah, à santé. Tout le plaisir était pour merci moi. Merci beaucoup. Yeah, thank you much. Merci. C'était un super moment. Je reprends mon souffle tout doucement, mais ton village est vraiment magnifique. Et les gens, ils sont tout aussi beaux. Et prends bien soin de ton village. Continue à le mettre en valeur comme ça, parce que c'est une super initiative. Okay. Merci you. À toi. Voilà, mon voyage en Tanzanie se termine. Je repars sans voix, mais avec des belles images plein les yeux. Ce pays est un émerveillement. C'est une grande beauté, ses paysages, sa population. Les gens sont d'un accueil absolument extraordinaire. Et puis, on a vécu des sensations pendant le safari. Évidemment, avec cette faune sauvage, on a une chance absolument incroyable de pouvoir observer ces animaux de si près et en si grande quantité, j'ai envie de dire. Et puis, je remercie très chaleureusement ceux qui m'ont accompagné. Je pense à Cham, à Cédric, Valentine que j'ai croisé, Semvua et Ino, mes deux guides sur le safari, et Tandao, ainsi que tous les visages voilà, qui m'ont illuminé de leur sourire. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir cette émission en replay ou bien me suivre sur les réseaux sociaux pour voir les coulisses de l'émission. À très bientôt. Kwariri, comme on dit ici. Au revoir.